Et bonjour à tous et à toutes, c'est After, j'espère que vous allez bien, on se retrouve alors pour un épisode de Child of Light, l'épisode 5, on continue notre parcours. Écoutez, ça c'est mes clés, je sais pas pourquoi je les prends, voilà, je sais pas pourquoi je les ai prises, tiens. Allez, on est parti. Hop, donc on était arrivé ici, il me semble, effectivement. Alors attendez, parce qu'on avait Oculi, on avait web. Il nous faut un truc poli. Donc, ah génial, mon explorateur Windows qui foire, c'est pas grave. Hop, excusez-moi. Je sais pas ça fait quoi comme effet à la vidéo, mais bon. C'est assez souvent. Ok, hop, on monte. Il a été déjà ouvert, donc on est déjà arrivé à mon avis dans ce coin-ci. Oui, on est déjà passé, mais maintenant on va voir s'il y a quelque chose plus haut. Donc non. Par ici non plus. Par là, effectivement, pas du tout. Aïe. Purée, mais j'ai plus beaucoup de vie. Hein. Alors, attendez. Inventaire. Potion de vie. Voilà. Et oui. Utiliser. Voilà, c'est bon. J'ai tous mes points de vie. Ah non, mince. Combat. C'est pas grave. Donc, on est parti sur un petit combat. Alors, je vais regarder l'heure, excusez-moi. Hop, comme ça au moins, on aura... Ok, c'est bon. Alors, nous... Ah, mais ils sont trois en plus. Ah, ça va être un peu relou. Jamais battu contre ça. Je suis jamais battu contre... Bah, ça, regardez, hop. Alors, flash stellaire, on va faire un... What? Flash stellaire 6 PM. Ah mais c'est le deux étoiles. Ouch, non, pas interrompu. C'est pas grave. On a notre... Hop. Ah non, pas frappe. Mais non, je veux juste revenir en arrière en fait. Comment on fait pour revenir en arrière? CTRL Z. Non, je veux pas faire frappe. Bon bah je sais pas, écoutez, on va faire frappe dessus, c'est pas grave. Même si c'est pas ça que je voulais vraiment faire. Ah mais en fait il est en interruption celui-là. D'accord. Ok, bonus vitesse. Oui. Ah, c'est à moi. Action. Ah bah si, de toute façon, j'ai que frappe. Sur lui. Purée, mais... Est-ce que je vais pouvoir commencer à taper, s'il vous plaît? Alors, ah non, c'est là qu'il faut. Hop. Je vais faire un flash stellaire sur elle. Je vais faire une frappe sur lui. Ouf. Et le flash stellaire qui va passer crème. Attention, je pense que c'est le 2. Oh là 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 là, moins 46. Oh, je lui ai mis cher. Fou. Ah ouais, je lui ai mis cher, effectivement. Et mon jeu, bonsoir. Excusez-moi, mais mon PC... Bon, de toute façon, il faut que je change de PC. C'est comme ça, écoutez. Pas vivre toute la journée... toute sa vie et toute ma vie. C'est pas possible. Hop. Permettez. Je peux pas accéder au menu. Dommage. Voilà. Un petit... Mais non! Ah bah oui, c'est moi, j'ai trouvé. Alors, rayon. Un flash stellaire sur lui. On va voir si ça lui fait mal. Ah mais non! Pourquoi j'ai fait ça? Pas sur lui, ça l'affecte pas. Ouais.
Oh, je vais commencer à prendre cher là. Action, on va. Soin sur elle. Pas moins 22, pas moins 22. Soin, bim. Plus combien? Ouf. Ouais, c'est pas mal. Ok, bon. Action, on va faire une entaille sur lui, parce que lui c'est celui qui tape le plus fort. Ouf. Alors attention, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Je sais pas si lui contre la magie justement. Une frappe sur lui. Wouah, moins 20, ça va. Action, entaille sur lui. Et lui, il va me faire. Il va m'interrompre. Ouais. Ok, action. Et il m'a pas interrompu, c'est rare. Et attention. La dernière frappe. Voilà, normal. Ouais, il est mort, c'est bon. À nous deux. Ah, mais j'ai plus. Je peux plus collecter de vœux. Et il a un bonus VTS aussi. Ça l'a interrompu, en taille, sur lui. Lui est quand même pas mal fort, hein. C'est vrai que. Hop, action frappe. Et il a pas mal de vie, je pense aussi. Ah bah non, il n'a pas énormément de vie. 1000 XP, niveau supérieur pour elle, c'est cool. Continuer. Ah, j'ai une émeraude brute, cool. Bon. Alors. Pour elle. Oui, pour elle. On va continuer par là. Pour elle, zéro. Oculi, fabriqué. Émeraude polie. Après, il faudra un truc de chaque, je pense. C'est pas grave. Il faudra un truc de chaque, je pense. Pas sûr, mais bon. Il n'y a pas de monstre par ici. C'est bon, on commence à gérer tout doucement. Les déplacements du moins. Écoutez. C'est... une potion de vie. Bon bah c'était pas le plus utile mais... voilà, ici il y a de quoi nous régénérer un petit peu. Si c'est lent, c'est bah, normal. Un saphir brut, cool. Il m'en manque un dernier. Ouch. Il m'en manque un dernier. Et je pourrais avoir un truc poli, un saphir brut poli. Voilà. C'est quoi ça? Alors d'abord, on va regarder en haut. Il n'y a rien. Ok, c'est bon. Voilà, je prends ça. Ce monument est singulier. Indiquait-il quelque chose par le passé? Ce monument est singulier. D'accord. Bon, ben. On a un monument qui. On sait pas à quoi ça sert, mais bon. Peut toujours servir à quelque chose. Oh, Iniculus, vole s'il te plaît. L'endroit le plus bas, nous devons le trouver. Aurora, le ciel, il faut gagner. On se trouve donc le plus haut des sommets. Où se trouve donc le plus haut des sommets? Le puits obscur. Donc on arrive au chapitre 4. Et oui, effectivement, chapitre 4. Pas mal. Bonjour, nous faisons un très long voyage. Vas-y. Étrange, il n'y a personne dans le village. Allez, tu parles pendant 3 ans. Ok, bon bah... des petits corbeaux. Ça va les 30 FPS qui font justement... alors, Croa. Ok, Croa. Ça va être pareil pour tout.
Croix, croix. Il y en a un qui va bien nous dire là. Croix, croix, croix. Croix. Bon, d'accord, allez vous faire foutre avec vos croix. Excusez-moi de mon insulte. Vous voyez, 60 espèces et 30 espèces, ça se voit. Hein. Ah, ici, il y a une maison, on peut rentrer normalement. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors... Un saphir? Non, dommage. On peut pas aller par là. Et on peut pas aller par là. Du coup, on sort. On va essayer de trouver un autre saphir. Enfin, le dernier saphir, j'aimerais bien trouver. Ce serait cool. Voilà, ce serait cool qu'il soit par là. On va voir. Hein. Oh non, un émeraude. Je veux un émeraude. Un saphir, pas un émeraude. Oui, je sais que je peux me soigner comme ça, mais... Bref, on sort. Ok. On est sorti. Là, il y a une flèche qui nous indique par là. On va voir ce qu'il y a par là. Ah, je vais leur parler, ça tombe. Eux, ils parlent. Ouais, non, ils savent rien dire d'autre que Croix. Y a rien. D'accord. Du coup, on va aller par là. Hop. Et on va aller voir ce qui se passe par là. Alors, par là, il y a un puits. Elle est pas très... Comment dire, elle pleure, en fait. Elle est saoule. Ok. Alors, on va regarder ici. Saoule, solitude. Solitude. Y'a pas un truc pour nous, là? Apparemment pas. Elle pleure, on sait pas pourquoi elle pleure. Ok. Monsieur, trouverai-je le soleil ou la lune dans ce puits? Ah oui, faut appuyer sur N. Oh, hurrah, princesse, vous êtes là. Vous vous trompez, regardez ceci. Ah, pauvre de moi. Mon grand-père et moi sommes enchanteurs et protégeons le village de tout danger. Je suis parti juste quelques heures afin de nous ravitailler. Quand la reine noire a changé les miens en oiseaux, les eaux du l'été nous rendront leur forme. Je dois descendre, il le faut. Mais la peur, pauvre homme. La profondeur du puits doit être modérée. Finn, tu peux y arriver dans le puits, allez. D'accord. Les malheurs de Finn. Bon, du coup, je dois me taper le puits. Vous avez bien dit enchanteur? Oui, princesse, l'un des meilleurs. Nous verrons cela tout à l'heure. Hourra, Finn est mon nom. Finn est mon nom. Appelez-moi, Hourra, voyons. À rejoindre... Oh, mais on a un nouveau personnage. On a un nouveau personnage, ouhou. Chargement. Et je pense qu'on va s'arrêter là, écoutez. Parce que j'entends que ça commence à gueuler après moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. A plus.